Salut! In this episode of Romance Languages Comparison, we are going to see if speakers of Italian, Spanish and Portuguese can understand the French language. Let's meet the guests of today's show. Tom, a fellow YouTuber from France and a French teacher, he's going to be the host of this language challenge. Linda, an Italian teacher and the author of a podcast for Italian learners. Gustavo, an English teacher from Brazil. And Isidor, a Spanish teacher from Mexico. Check out the description box if you want to know more about them. My name is Norbert and I bring speakers of different languages together to run mutual intelligibility experiments and build international friendships. So if you want to be part of our community here, subscribe and hit the bell not to miss the upcoming videos. Let's see, can Italian, Spanish and Portuguese speakers understand the French language? Alors, enchanté, bienvenue à tous. Donc dans ce jeu, je vais vous faire deviner des mots en français. Donc vous allez devoir deviner le mot dans votre langue native. Et je vous montrerai le mot en français avec, sur un papier avec, et je vous dirai comment il se prononce. Ok? Mm-hmm. Prêt? Okay. Vous êtes prêts? Listos. TG. Tanti pronti. Très bien. Mm-hmm. Donc le premier mot, c'est quelque chose, c'est un objet sur lequel on s'assoit, sur lequel on est assis, typiquement dans une voiture, dans un avion, dans un bus. Ça peut aussi être le mot qui désigne un type de chaise. C'est un mot un peu général. Ouais, je... Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous comprenez? C'est difficile. c'est difficile. Pero... Ça peut être un meuble, mais typiquement, c'est le nom utilisé quand cette chose, cet objet, est dans un moyen de transport. Typiquement, ça peut être dans d'autres cas. Tom, è un oggetto che usiamo tipicamente sui mezzi di trasporto? Non. Come un bus? C'est le nom. Ok, c'est un objet qui se trouve partout, sur lequel on s'assoit. On est debout et on s'assoit. Sì. On est debout, on s'assoit. Muy bien. Es parte de algunos medios de transporte, de todos los medios de transporte. C'est pas typique. Par exemple, dans un cinéma, on peut appeler ça aussi comme ça. C'est comme un fauteuil, mais c'est le nom du fauteuil dans le bus, par exemple, ou dans l'avion. Ou nella macchina? Non. Macchina? Non. Je crois pas. Tom, existe alguma relação com assento, algum lugar que você senta? Oui, je crois que c'est ça, oui. Porque você mencionou cinema, você mencionou avião, é um assento onde você senta nele? Oui. Sí. Essa é a palavra, entonces? Sim, força. Sim, 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 sim. Está correto? Ok, écrivez. Oh. Ai, Deus mio. Je sais pas si Linda, c'est ça. Ah, sim. C'était un siège. Sim. Una sedia. Ok. Sedia? C'est ça, ouais, un siège. Sì, perché al cinema a volte usiamo la parola poltrona. Però, sì, sedia. Questo. Ouais, c'est ça. Un siège. Ok. Très bien, okay. Bien joué. 100% réussi. Bello. Yeah. En espagnol, nosotros en el cine les llamamos butacas. Butacas. Okay. Cambia exacto. La parola, sí. Pero en los medios de transporte, sí, un asiento. En el camión, en el coche, en el avión, asiento. Ok. Très bien. Excellent. Le mot suivant, c'est une personne qui commence typiquement à apprendre quelque chose. Si je commence à apprendre l'italien, on m'appellera cette personne comme ça en italien. C'est quelqu'un qui commence à apprendre quelque chose. Comienza a aprender alguna cosa
en la escuela, en, por su cuenta, de manera autónoma, o cómo? Ouais, de façon autonome, en général, à l'école. C'est juste le niveau. Le niveau s'appelle comme ça. Il y a le niveau comme ça, le niveau intermédiaire, le niveau avancé. Ay, 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 ay. Entonces, es la, la parola generale. Pero designa el, esta palabra designa el nivel del de la persona que comienza a aprender algo. Oui, c'est ça, je crois. Sí, okay, sí, forse. Sí. La parola generale. Eu entendi a mesma coisa que o Isidro. Prontos para escrever? Sí, vamos a escribir. Okay. Oh. Ah. Oh. Ah, bueno. C'était bueno, tenemos un débutant. Ah, ajá, sí, un principiante. Ah, ajá, principiante. Sí. Entonces, esta palabra designa el nivel del, del estudiante. Si right. comienza, entonces es principiante. Sí, okay. Es verdad, es verdad. Sí, en italiano existe la parola debuttante, però non è proprio un principiante, è usato solo in alcuni contesti, però abbiamo una parola. En español también, exactamente lo mismo, una persona que canta por primera vez, que se presenta por primera vez, es un debutante. En portugués nós temos a festa de debutante, é quando uma menina faz 15 anos de idade. Aí a festa de aniversário de debutante, porque ela está debutando para a vida, para a sociedade. É a festa de debutante. Também he escuchado esto en español, pero bueno, por lo menos en México no, no creo que sea muy común. Muito legal, interessante. Entonces, ¿cómo es en italiano, Linda? Es principiante. Principiante. Y se escribe como en español, por ejemplo. Principiante, sí. Sí. Yeah. Portugués es igual, principiante. También la escritura es igual. Yeah. Muy bien. Ouais. Ótimo. Différent en français. Et il n'y a pas de mot comme principiante en français. Pas que je le sache. Évidemment, dans les commentaires, des gens vont dire, mais si, il y a un mot. Mais moi, je ne sais pas. Je ne connais pas le mot. Non, je ne connais pas de mot comme ça. Ok, très bien. Le mot suivant. C'est une partie du corps, humain, je pense, exclusivement peut-être même. C'est quelque chose qu'on a tous, sauf moi. Otra vez, por favor. C'est quelque chose, c'est une partie du corps. Une partie si, du si. Corps humain, de l'anatomie humaine, c'est quelque chose que tout le monde, toutes les personnes ont, sauf moi. En fait, pas toutes les personnes ont, sauf moi. Capito. Ho capito. Domanda. Mm-hmm. Io ho molti. Oui. Ho molto. C'est ça. Di questa cosa. Io também. Oui, ça va être facile. Pronto para escrever? Ok, oui, écrivez. Ouais. C'est ça. Les cheveux en français. Les cheveux. Les cheveux. Les cheveux. Okay. Au pluriel. Cabello. Ouais. Capelli. A Linda tem muito cabelo. A Linda tem muito cabelo. ¿Y cómo se le llama a una persona que no tiene pelo en su cabeza? Un chauve. ¿Cómo? Chauve. ¿Cómo se pronuncia? Un chauve. Chauve. Calvo en español. Calvo. Calvo. Calvo en portugués. Uh-huh. Oh, calvo. Anche en italiano. Calvo. Calvo. Muy, muy similar, ¿no? Oui. Le que, c'est che en français, souvent. En portugués, nous avons careca. Careca é outra forma de falar a pessoa calva. Ah, yeah. Calva ou careca. Ah, careca, yeah. É divertida esta palavra, careca. Não é forse pelato, diremmo pelato. Ah, yeah, pelon, pelon. La parola sí, sí, sí. É calvo, sim. Sí. Ok, ok, bene, très bien. Mot suivant. Le mot suivant, c'est une pièce dans la maison, ou dans la maison, ou dans un appartement. C'est l'endroit où les gens dorment, typiquement. Donc,
En français, on utilise un mot pour ça qui est un peu une abréviation. Donc c'est l'endroit où on dort. C'est l'endroit où il y a le lit dans la maison. Le lit, c'est la surface où on dort, le meuble sur lequel on dort. Et donc c'est une pièce de la maison. Est-ce que vous avez des questions? Sì, credo che sì. Allora, Linda. Può essere singolo, matrimoniale, grande, piccolo? La taille de la pièce? Sì, la misura. Non, c'est généralement une pièce de taille moyenne dans la maison. Pas la plus petite, pas la plus grande. Taille moyenne. Ok. Oui. Pero tendría el mismo nombre si es pequeño, mediano, grande, ¿verdad? Oui, oui, c'est le même nom. Oui, okay. Si c'est petit, grand. C'est ce nom. Y você disse que é un lugar que as pessoas típicamente dormem nele. Oui, je crois. Oui. Pero es una habitación de la casa o es un mueble? C'est une pièce. È un mobile, è un oggetto. Un oggetto da casa. C'est pas un objet, c'est une pièce. È una stanza. Una pièce, la pièce. Voilà, comme ici, c'est la cuisine, ici, et c'est une autre pièce. Ok, è un luogo. Oui, c'est ça. È un posto della casa. C'est ça, un lieu dans la maison. Ouais. Bah. Ok. Donc c'est une chambre, en français, une chambre, et parfois on dit chambre à coucher, c'est le nom. Io penso camera, ma per dormire, sì, oui, è la camera dove dormiamo. C'est ça, la chambre pour dormir. C'est ça, tout le monde là? Tout le monde est correct? Sì, sì, quarto. Super, 100%. En español también decimos cuarto. Entonces los cuartos de una casa. Habitación también es muy, muy común. Okay. Ok. Et maintenant, le dernier mot, c'est un objet. C'est un objet qui est utilisé depuis, avec cette forme, de cette façon. C'est un objet qui est utilisé depuis peut-être 300 ans, peut-être plus, aucune idée précisément. C'est un objet pour lire l'heure, pour savoir quelle heure il est. C'est un objet qu'on porte sur soi. C'est pas un objet dans la maison, c'est pas dans la maison, c'est sur soi. C'est typiquement autour du poignet, autour de la main. Donc je pense que tout le monde a deviné. Non. Ok, très bien. Pas trop facile. Non, ho indovinato. È un oggetto che portiamo su di noi quando usciamo da casa. Sur soi. Con noi. Ouais, avec soi, ouais. Pour connaître l'heure, pour connaître le temps. El tiempo, sí. Para medir el tiempo, ¿no? Ah, essa foi muito difícil para mim, o som, l'heure. Non sei. La hora, ¿no? Sí, io ho pensato a leggere, non so perché. Ah, io também pensei, ler. Non so, però, no. Il tempo, perché? L'heure, c'est l'horaire. Comme okay, l'horaire, c'est un mot. Ah, l'horario. L'heure. Ah, oh. Obrigado, Linda. Heure, deux heures. A Linda me ajudou. Ok. Ok. Tá bom. Vous pouvez écrire, je pense. Et. Ouais, je crois que. Je sais pas si tout le monde est correct. C'est une montre pour le poignet. Pas autrement. Ouais. C'est ça? Sí. Ajá. Okay. Sí. Okay. En español, si quieres especificar qué es el que usas en tu mano, es reloj pulsera. Pero reloj es suficiente. Ah, pulsera. Ok, très intéressant. Comme le pouls de pulse. Ah, exacto, très intéressant. Sí. El pulso. Ah. El pulso. Pulso. ¿No? Relógio de pulso. Relógio de pulso. Relógio da pulso, sì, orologio da pulso. Et je crois que la racine du mot montre en français, c'est le vieux français monstrer, monstra, quelque chose comme ça. Et donc c'est pour montrer l'heure. Ouais. Et c'est la racine du mot. Mostra a hora.
Oui, c'est ça. Ça, o, ça o muestras el reloj, ¿no? Porque no puedes cargar un reloj enorme. De... ¿Cuántas horas? ¿Qué hora es? Molto interessante. Excellent. Bello. Mm-hmm. Difficile. Mm-hmm. La pronuncia è difficile, però bello, molto interessante, sì. Oui, la pronunciation è differente. Ótimo. É, em alguns momentos eu consegui entender por causa da ajuda da Linda, outros momentos por causa da ajuda do Isidro. Quando eu não entendi o francês, as outras línguas me ajudaram. How was it for you? Did you understand anything? If you liked the Romance languages, check out the other videos on the playlist and subscribe to this channel if you want to be notified whenever new videos are published. What other languages would you like to see featured on this channel? Let us know in the comments below. I'll see you in the next video. Salut!